Bien d'accord avec vous. Parmi tous les métiers possibles, il y en a un qui semble plutôt cool, c'est celui de fou du roi. Le fou du roi est une fonction très ancienne, inventée par nos rois et reprise par nos présidents, qui entretiennent les guignols de l'info, le bébé de chou et autres spectacles de chansonniers. Tant que le peuple se moque de nous, il ne manifeste pas dans la rue. Observez bien, dans toutes nos entreprises, les PDG chouchoutent un fou du roi. Dans nos réunions d'entreprise, les salariés chevronnés qui connaissent bien les us pratiquent la langue de bois du politiquement correct. Pour régler les problèmes sans faire de vagues, ils prennent tous bien soin de pousser la poussière sous le tapis, sauf le petit dernier fraîchement sorti de l'école. Il a le droit de tout dire, car tel Adonis, il est jeune, grand, beau et intelligent. Mais attention, il y a des limites. Le fou du roi peut tout dire, mais... Mais quoi? Mais seulement jusqu'au jour où le roi ne peut plus tout entendre. C'est un peu comme les footballeurs. Après 35 ans, soit le fou qui a beaucoup critiqué le roi prend la place du roi et recrute un jeune diplômé impertinent, soit il rentre dans le rang. À propos de la nécessité de pratiquer le politiquement correct pour garder son emploi, voyez ce qu'en dit mon alter ego, Glodus Bouchon. Bonsoir les gones. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, j'avais fait un recueil de maximes. Hein. Alors le principe, c'était que, bon, je dis un peu des gueulardises, hein, mais comme il y a du fond, ben, ça peut bien alimenter les conversations, vous voyez. Alors j'ai eu l'idée de faire des sets de table. Vous y mettez sous les assiettes quand vous avez 10 personnes comme ça qui ne se connaissent pas trop bien. Ben, ça peut aider à créer l'ambiance, voilà. Ouh là là, alors celui-là de cette semaine, je ne sais pas trop s'il faut vous en servir pour les séminaires d'entreprise quand même. Hein, parce que c'est, bon, je vous y lis. Jusqu'où faut-il accepter de perdre la face pour garder le profil du poste? Vous voyez l'idée? Et vous, qu'en pensez-vous? Patience, après 65 ans, vous pouvez à nouveau tout dire au jeune roi, jusqu'au jour bien sûr où il ne pourra plus tout entendre. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.